Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez c'est les vacances, beaucoup parmi vous auront la chance d'aller en vacances et dans cette vidéo on va faire un truc un peu détente, un peu chill où je vais vous présenter quelques produits que j'ai trouvé qui peuvent vraiment vous sauver la mise en vacances et d'ailleurs je mettrai le lien de tous les produits dans la description. Sans plus tarder, comme vous pouvez le voir, on va parler du premier produit, il s'agit de mon sac à dos préféré que j'ai environ depuis 2 ans, que j'ai présenté déjà plusieurs fois sur ma chaîne, il s'agit du Case Logic. J'aime beaucoup ce sac parce qu'il a énormément de rangement et deuxièmement c'est parce que c'est un sac qui a quand même pas mal de style, c'est pas un gros sac tout carré qui sert à rien, là c'est un sac qui passe crème, peu importe ce que vous allez faire, peu importe où vous allez, c'est le sac que je prends avec moi partout, c'est le sac que je prends avec moi en voyage, il coûte 30€ et c'est une excellente affaire. Le produit suivant c'est vraiment un indispensable, il s'agit d'un chargeur solaire parce que aujourd'hui tout le monde a un smartphone, tout le monde a besoin de le recharger quoi qu'il arrive, que vous ayez une prise ou non. Donc ce chargeur solaire coûte 28€, mais j'ai réussi à vous négocier 20% de réduction qui vont marcher pendant 48 heures, donc les premières personnes qui verront cette vidéo auront le code exclusif que vous pouvez trouver que sur ma chaîne. À chaque fois voilà, j'essaye de négocier ça avec les marques parce que je sais que ça vous fait extrêmement plaisir. Donc les gros points forts de cette batterie, c'est que déjà vous pouvez recharger votre iPhone jusqu'à 4 fois, donc la majorité des téléphones, ça va se situer entre 3 et 4 fois. Au-delà du fait que ça soit un produit qui se recharge à la lumière du soleil, vous pouvez bien sûr le recharger comme une batterie classique. Alors il faut savoir que si vous rechargez cette batterie uniquement avec la lumière du soleil, il faudra quand même être assez patient puisqu'il faut environ 7 jours entiers pour la recharger à 100%. Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de 7 jours pleins pour pouvoir recharger votre smartphone. Une journée, 2 jours max va vous permettre de recharger votre téléphone à 100% et c'est largement suffisant pour justement pouvoir appeler des gens, etc, etc. Pour le produit suivant, on va parler d'un produit qui peut paraître assez banal puisqu'il s'agit d'une clé USB de 32Go. Bah, elle était pensée et créée pour se mettre en mode survie, donc elle coûte 27€. Et cette petite clé, en fait, je dis vraiment petite et je pèse mes mots puisqu'elle est minuscule, donc vous pouvez le voir, elle fait vraiment même pas la taille de mon demi-pouce. Et le gros point positif, c'est déjà, bon, je l'ai dit, elle fait 32Go, mais aussi que tout a été pensé pour que vous ne la perdiez pas, et même le capuchon, vous n'allez pas le perdre, puisque quand vous allez l'ouvrir, le capuchon va rester bloqué dans la ficelle, elle se range partout grâce à sa taille, mais l'un des autres gros points positifs, c'est qu'elle est totalement étanche, donc vous pouvez la jeter dans l'eau, et pas de soucis. Pour le produit suivant, on est allé encore plus loin dans la survie, puisque c'est un produit que j'avais jamais eu entre les mains, j'avais juste vu ça à la télé, notamment avec Bear Grylls, etc. C'est tout simplement une pierre à feu, ça coûte 17€, c'est un objet bien sûr à pas mettre entre toutes les mains, ça va vraiment servir aux personnes qui vont aller faire du camping, des très longues randonnées, la nuit, etc, etc, pour pouvoir allumer du feu n'importe où. Alors la grosse particularité de cette pierre à feu, c'est qu'elle est faite en noix de coco, donc ça c'est vraiment sympa, puisque c'est un produit de la nature, enfin avec un peu de nature, pour aller dans la nature et j'ai trouvé ça assez stylé. On continue dans la catégorie simple mais ultra pratique avec une cuillère, fourchette, couteau et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Vaut mieux juste ramener une cuillère, une fourchette et un couteau. Mais cet objet en fait va un peu plus loin que ça puisqu'il est fait 100% en titane, il va résister à la chaleur, il va résister au froid, il va résister aux rayures. C'est vraiment un produit qui va vous permettre de pouvoir cuisiner, de pouvoir découper, va vraiment vous permettre d'avoir un objet léger à tout faire, facile à nettoyer. Donc ça coûte 13,95€. Comment faire une vidéo de ce genre sans parler de mon couteau? Il y a énormément d'abonnés qui veulent savoir c'est quoi mon couteau, à chaque fois on le voit quand j'ouvre mes colliers, etc. Alors c'est un couteau de la marque TacForce, donc c'est un couteau qui coupe extrêmement bien, que j'ai pas payé trop cher, je crois aux alentours de 20€. Je voulais avoir un couteau qui soit assez stylé pour justement les vidéos, qui coupe bien mais qui soit aussi assez balèze, voilà un couteau assez imposant, je suis pas fan de couteau, mais c'est vrai que c'est un objet qui est assez stylé. Mais au-delà de son apparence, en fait, ce couteau est vraiment un couteau qui peut vous aider en survie, puisqu'il peut couper des très grosses cordes, il peut aussi être utilisé comme un décapsuleur. Vous avez aussi une partie à l'arrière qui va être un peu dentée, qui va vous permettre de pouvoir gratter, de pouvoir frotter des choses. C'est un couteau qui est assez lourd, donc qui va vous permettre d'avoir assez de force. Donc si par exemple vous devez couper quelque chose d'assez épais, pas de souci, la pointe est vraiment tranchante. Et surtout, c'est un couteau qui va être pliable, donc parfait pour ranger dans un
un sac. Le produit suivant a vraiment attisé ma curiosité puisque c'est un gilet LED que vous pouvez commander avec une petite télécommande qui va être fournie. Donc le cas pratique, c'est que vous pouvez l'utiliser sur un vélo, sur une moto, en faisant de la course, en marchant. Bon, vous l'avez compris, c'est un objet qu'on va utiliser surtout la nuit pour être visible et donner aussi des indications sur ce qu'on veut faire. Donc sur la télécommande, vous pouvez dire que vous allez à gauche, vous pouvez dire que vous allez tout droit, vous pouvez mettre un point d'exclamation pour dire que voilà, soit il vous arrive un truc, soit bah, vous allez vous arrêter, ou vous pouvez dire aussi que vous allez à droite. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant pour les personnes notamment qui veulent aller faire du vélo le soir, faire des randonnées encore une fois le soir, aller courir le soir, dans des endroits voilà, où être visible c'est extrêmement important, où vraiment on, limite on peut jouer avec sa vie, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc quand l'année dernière j'étais parti en Espagne, donc j'avais conduit dans les montagnes, mais vraiment dans les montagnes, et il y avait, je sais pas pourquoi, pas mal de cyclistes en fait, qui montaient et descendaient la montagne, même la nuit. Et de ce que j'ai pu entendre, c'est pas rare que des cyclistes se font toucher par des voitures et inversement dans des virages assez serrés, que ce soit en montée ou en descente. Donc en tout cas, avoir, on va dire, ce petit gilet permet sûrement d'être beaucoup plus visible dans le noir. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo est peut-être l'un des plus utiles, en tout cas pour toutes les personnes qui ont une voiture, il s'agit d'un onduleur. Mais qu'est-ce qu'un onduleur? Alors un onduleur, faut le voir un peu comme une multiprise qui va vous permettre, juste avec la prise allume-cigare de votre voiture, de pouvoir brancher une prise classique, une autre prise allume-cigare et deux prises USB, et d'avoir du courant en fait pour pouvoir alimenter tous vos appareils, etc. Imaginez un cas tout bête, vous êtes dans la voiture, un long trajet, par exemple Paris-Marseille, vous avez votre PC portable qui est en rate de batterie, donc vous pouvez absolument pas le recharger, et vous avez besoin d'envoyer quelque chose d'urgent, vous avez besoin par exemple de ressortir votre Reza ou des choses comme ça. Vous branchez ce petit onduleur, paf, vous mettez la prise directement dessus et vous pouvez recharger votre ordinateur portable et faire ce que vous avez à faire. Et d'ailleurs, vous avez un code de réduction de 25% qui va faire passer le prix de 34€ à 25,49€. Sachez que le code est valable jusqu'au 22 juillet et j'espère du coup que ça vous plaira. J'espère vraiment que cette petite thématique détente vous aura plu. Peut-être que l'un des produits que j'ai présenté dans cette vidéo vous sauvera la mise pendant vos vacances. Sur ce, profitez bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.